Bonjour, bonjour, bonjour. Aegon, bienvenue dans ce petit live Sotor. Je peux pas qu'ils me disent interlude alors qu'on est au chapitre 1. À moins que ça a été reset. Ah non, bien cha même chapitre 2 même. Tu m'as même trompé dans le. Dans le titre. Alors, on devait faire quoi? J'ai rejoint le ministre Lormand. Oula, oula. Ah oui, c'est vrai qu'on était chez la sur la planète des Sith. Guerre avec l'Empire éternel. Si ça ne te plaît pas, va te plaindre à l'impératrice. Le nouvel Empire Sith. Pourquoi je porte le mon machin dans le dos en fait? Dromonkas. Longtemps je me suis raccroché à ce monde, avant de le délaisser comme une expérience ratée. Vous abandonnez toutes vos créations. Pas toutes. Dromonkas ne peut rivaliser avec la satisfaction que m'a donnée Zakel. Voici l'enveloppe vide que j'ai laissée derrière moi. Mais les Sith restent un instrument utile pour vous emparer du trône éternel. Hôte distingué, bienvenue sur Dromunkas. Moff Lorman? C'est ministre Lorman à présent. Vraiment? J'ai cru que votre carrière était ruinée quand vous avez perdu la flèche ascendante. Vous semblez vous connaître? Lorman et moi, on s'est déjà croisé. C'est ministre Lorman, et peu importe le passé. Je sers l'impératrice Asina aujourd'hui. Elle nous attend dans la salle du trône. Bienvenue, commandant. Que voilà de bien étranges circonstances. Auriez-vous imaginé qu'une Sith négocierait avec une Jedi? J'espère que vous saurez voir au-delà de votre a priori. Par le passé, notre arrogance aurait occulté nos défauts à nos yeux. Aujourd'hui, nous savons qu'admettre sa faiblesse est la première étape pour s'en affranchir. Je vous en conjure, ne soyez pas si dure, impératrice. L'Empire Sith a toujours été glorieux.
J'aimerais poursuivre cette conversation à bord de ma navette privée. Que nous puissions parler librement, juste vous et moi. Ce n'est pas très prudent de nous séparer. Si elle tente quoi que ce soit, je saurai me débrouiller. Ça ira si je vous laisse avec Lorman ? C'est Ministre Lorman ! Ministre Lorman ! Est-ce si compliqué à retenir ? Ne vous inquiétez pas pour nous, commandant. Dommage, hein. Dommage qu'il y ait des siècles les ombres. Je vous attends pas, impératrice. On raconte qu'Astina essaye de s'associer avec l'Alliance. C'est mieux que de s'incliner devant l'Empire éternel, non? Je me rappelle l'époque où tout le monde s'incline. Les Sith qui désapprouvent l'offre que je vous ai faite demeurent ici. Ils sont très attachés aux anciennes traditions. Mais pour arrêter Velin, nous devons coopérer. C'est tout ce que vous voulez ? Ou vous cherchez un moyen de vous rapprocher de moi ? Le commandant de l'Alliance, l'offre est alléchante. Mais il ne s'agit là que de politique. Nous savons, vous et moi, que c'est le seul moyen de triompher. Vous voulez prendre le trône éternel ? Je vais vous y aider. Pourquoi moi ? Vous pourriez revendiquer vous-même le trône ? Je me consacre à la survie de mon peuple. Si personne ne s'oppose à elle, Velin nous exterminera. Je ne suis pas assez puissante pour l'arrêter, mais avec mon aide, vous le serez. Les moteurs ne répondent plus. Il faut se poser en catastrophe. On arrive trop vite. Sautez! Ouais, tu veux me dire comment ça se fait que la porte était ouverte? Enfin, le sas. Tu restes là-bas, hein, juste tant que je vérifie un truc. Chapitre. Ah oui, l'impératrice là. On pourra la garder comme. Ça paraît bizarre ça. L'impératrice Sith comme partenaire. Elle a aussi un sabre, ok. On peut pas lui donner, ça sert à rien. Elle, c'est juste un machin. Ah non, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé de la combattre. Ma colère.
balances quand tu veux pour taper. Ça lui fait rien du tout. Lol, qu'est-ce qu'il fait là-bas, hein? Battez admirablement bien. Ouais, tu parles n'importe quoi. Ravi de voir que votre réputation n'est pas usurpée. Vous vous débrouillez bien au combat. Et aux commandes d'une navette, quand celle-ci n'a pas été sabotée. Probablement par celui ou celle qui brouille nos transmissions. Si vous vouliez vous retrouver seul avec moi en pleine nature, il suffisait de demander. D'habitude, je prévois de me cracher dans des lieux bien plus romantiques. Ma navette est équipée d'une balise de détresse. Le signal devrait traverser n'importe quelle interférence. Si des secours arrivent, ce sera grâce à elle. Je suis presque dans le réseau principal. Quelqu'un vient. Pardonnez mon intrusion, mais je suis porteur d'une terrible nouvelle. La navette de l'impératrice s'est écrasée. Écrasée, où ça? Quelque part dans la jungle. Malheureusement, la balise de détresse ne répond pas. C'est impossible. Pas si la navette a été désintégrée. Je crains qu'il n'y ait qu'une conclusion logique. L'impératrice et le commandant ont péri. Trouver la balise. Garde, des prédateurs redoutables rôdent dans les environs. On peut en dire autant de vos vies. Les prédateurs urbains ne dévorent pas vos restes. Généralement. Attends, éliminer les créatures d'argent en utilisant... Ah oui d'accord, j'ai pas le choix en fait. Extinction de conquête.
Les tempêtes sont puissantes aujourd'hui. Ça pourrait compliquer une opération de sauvetage. De toute façon, je n'ai jamais aimé compter sur les autres pour nous sauver. Une sage philosophie, partagée par le code C. Là, ça m'indique s'il y avait une autre créature. Vous allez subir ma colère. Pas le temps de... La traque dans la jungle s'annonçait comme la partie la plus pénible du contrat. C'est bien plus simple quand les cibles se jettent directement dans nos bras. Ça n'a pas besoin de se terminer dans la violence. La violence fait partie du style du Geno Haradan. Le Geno Haradan. Je croyais que vous n'étiez qu'un mythe. Parce qu'on ne laisse jamais de témoins. La chasse est ouverte! Vous allez subir ma colère! Thank you.
Et où? Il est temps de mériter mon salaire. On ne perd jamais. Se terminer comme ça. La balise est détruite, les signaux sont toujours brouillés et une tempête approche. Le Geno Haradan doit avoir un camp à proximité. Nous pourrons nous y abriter durant la tempête. Le camp est sûrement lourdement gardé. Rien de tel que le danger pour se sentir vivant. Vous êtes tenace, mais concentrons-nous sur notre survie. Voulez-vous? On m'offre un truc. Option séduire. Séduit. Séduire, c'est un grand mot. Apparemment, la tempête n'est pas en passe de se calmer. Je suis d'avis de prendre une navette maintenant. Les interférences vont désactiver toutes les communications ainsi que les capteurs, sans compter le risque de surcharge d'énergie. Shan, je viens d'apprendre la nouvelle. Toutes mes condoléances. Il y a du relâchement au SIS depuis que je suis parti. Le commandant est porté disparu, pas mort. Ne laissez pas l'espoir vous aveugler. Vous n'avez plus de guide, tout comme les Sith. Quelqu'un doit bien assumer ce rôle. Pardonnez-moi, mais vous ne seriez pas l'ancien chancelier de la République? Votre mandat est terminé. Les véritables dirigeants n'ont pas besoin d'un titre pour exercer leur pouvoir. Je veux la même chose que votre précédent chef, vaincre Véline. Rejoignez-moi et nous pourrons achever ce qu'elle a commencé. Je passe. J'ai suffisamment eu affaire à vous par le passé. Vous portez encore le deuil, mais vous finirez par réaliser que j'avais raison. Au diable, la tempête! Ce n'est plus le moment d'attendre. Partons à la recherche du commandant. J'aime pas trop ce titre de commandant. Il y avait pas un truc là à ramasser normalement. Non, mais qui c'est qu'il y avait un truc. Une petite partie de moi apprécie la situation.
En tant qu'impératrice, j'ai rarement l'occasion d'éprouver mes aptitudes martiales. Je préfère montrer l'exemple. Rester en première ligne. Parmi les Sith, se poster en première ligne, c'est le meilleur moyen de se faire poignarder dans le dos. On a eu très chaud. Et les frappes d'éclairs peuvent être mortelles ici. Si on recalibre les tours électriques, elles attireront l'énergie de la tempête et nous protégeront. Vous allez subir ma colère. Éliminer les créatures de la jungle. Non, attends, on va faire d'abord celle-là qui est là. J'ignore ce qui me semble le plus étrange, que le Geno Haradan existe vraiment ou qu'il nous traque. On devrait s'estimer flatté. Le Geno Haradan n'accepte que les contrats dignes de ses services. C'est un compliment dont je me passerai volontiers. Pour les Sith! Thank you.
Je crains que la tempête ne fasse qu'empirer. Parfait. Ça couvrira notre approche du camp du Guéno Aradan. Je comprends pourquoi l'Alliance est derrière vous. Vous voyez des opportunités là où les autres voient des problèmes. Vous allez subir ma colère. On a trouvé des corps près de l'épave. Ashina et le commandant de l'Alliance ? Non. Nos hommes. Ça veut dire que les cibles sont toujours quelque part par là. Trouvez-les ! Non, c'est toujours... Inspecter l'équipement. Voilà. On a trouvé pourquoi l'unité grecque ne s'est pas présentée au rapport. Pour laisser une frappe d'éclair. Des survivants ? Non, ils ont tous été créés. Récupérez tout le matériel que vous pourrez et remettez-vous en route. Voilà, ça peut pas être là. Ah, là-bas. Quelle est la situation ? Aucun signe des cibles ? Aucun contact visuel pour l'instant. C'est difficile de les suivre dans la tempête. Continuez de chercher. Trouvez-les avant qu'ils nous trouvent. J'imagine qu'une navette, c'était trop demandé. J'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas suffisant de descendre la navette. Je veux voir les corps. Pas de corps, pas de prime. Le chancelier Sarech, la vipère de la République. Sarech n'est plus à la tête de la République. C'est vrai. Mais d'après nos renseignements, son influence reste encore forte. Dans le temple !
Je suis sûr qu'il existe une autre sortie. Un peu d'exploration s'impose. Passez devant, commandant. Merci. On a un screen. Des rapports sur Dromunkas annoncent la mort de l'étrangère. Non. L'esprit de père s'agite toujours dans les environs. Son petit animal est encore en vie. Qu'importe si c'est vrai. Bonjour, Nalbir. Les rumeurs ont déstabilisé l'Alliance. C'est le moment idéal. Ça peut aller, ça peut aller. Bah, je suis au chapitre 2, là. Sur 9. La disparition de leur précieuse étrangère n'y changera rien. Odessen n'est pas notre cible. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de pause entre les deux extensions, en fait. Ça a enchaîné direct. Je pensais que j'allais avoir le temps de... genre, entre guillemets, faire une pause entre les deux. Par contre, ils sont pas généreux en loot, hein. Hein, tu finis une extension, t'as même pas une nouvelle armure, une nouvelle arme, rien du tout. À ce niveau-là, t'as que dalle. Le tombeau profané d'un autre seigneur Sith. Autrefois, je pensais que ces temples anciens renfermaient le secret de l'immortalité. J'avais tort. Mmh. Une quête périlleuse. La quête de l'immortalité est semée d'embûches. Seulement ceux limités par leur chair. Cela, je l'ai transcendé. Être empereur des Sith n'est que l'une de mes nombreuses facettes. Le premier visage que j'ai porté. Mmh. Qu'en est-il du visage que vous portez actuellement ? J'ai découvert Valkorion il y a des siècles. C'était un grand guerrier, un champion de l'ancienne Zakel. C'était le vaisseau idéal. C'est pourquoi je l'ai suivi. J'ai su voir le potentiel de ce monde primitif. Et je l'ai développé à la perfection. Donc là, je comprends bien, c'est que... ouais, enfin, parce que j'ai gardé un truc sur Internet pour voir comment faire. Donc là, c'est que je comprends bien, en fait, Valkorion, c'est juste une enveloppe d'un esprit. Mmh. Vous parlez de Zakel comme si c'était votre enfant prodigue. Ou j'ai mal compris. L'Empire éternel mérite plus que mes enfants. Bien plus. Quand vous monterez sur le trône, vous comprendrez. Il va falloir s'enfoncer plus profondément pour trouver un autre passage vers la surface. Biwan, c'est pas le moment. C'est urgent. Sarah vient d'envoyer un message. Elle fait route vers Odessen. Visiblement, elle n'a pas attendu qu'on change d'avis. Renvoyez-la d'où elle vient dès qu'elle aura atterri. Certains de nos hommes veulent l'écouter. Ils doutent de l'avenir de l'Alliance. Des rumeurs courent au sujet du commandant. Rappelez-leur dans quel camp ils sont. Ralentissez, Sarah. On se met en route. Le ministre Lorman nous a averti que vous pourriez tenter de filer. Bien sûr, la petite bête à côté te laisse faire. C'est quoi la grosse bébête que je viens de voir? Oh là, hop, tu t'es téléporté. Lol. C'est quoi ça? Scanner haute qualité en plus langue, il vous permet de vous déceler des ordinateurs et de télécharger les données depuis un certain... Est-ce qu'il y aurait quelque chose?
apparemment, il n'y a rien. Là, 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 là. Alors, attends, parce que je canais, utiliser les reliques localisées. Ça me rappelle mes épreuves d'apprenti. Liquider la vermine qui grouillait dans les tombeaux de Corriban. À vous entendre, là, 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 là. Tout était plus simple. Mais je ne suis pas nostalgique pour autant. J'entrevois un brillant avenir pour nous. Je pensais qu'il y avait quelque chose de l'autre côté, mais il y a rien ici là. Non, il y a rien qui. Relique de pierre fauteuse. Est-ce que... Ah non, je pense que ça l'est. LOL. Ah oui, d'accord. Les seigneurs Sith d'antan sont vénérés sur Dromun Kaas. Mais pour aller de l'avant, nous devons abandonner les vieilles coutumes. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je comprends votre scepticisme, mais je prouverai ma bonne foi en temps voulu. Ah, il faut trouver un bon... Ah. Ça. Un bruit. Ah, je pensais qu'il fallait devoir l'utiliser.
pas bouger. Je suis sur la fin de perso. T'adores ça, hein? Donc tu dois être au 9e chapitre. Parce que normalement, dans les chapitres, tu les as là, ouais. Tu dois être au le trône éternel, là. Et tu comptes les refaire dans les différentes... comment s'appelle, différentes difficultés? Moi, je pense pas. J'ai fait l'histoire, une fois que j'ai fait l'histoire, moi... Non, je vois rien. Quelle grossièreté de m'obliger à sortir par un temps pareil! Nous devrions refermer le passage derrière nous pour vous piéger ici à jamais. Nous n'avons pas le choix. Sarèche veut voir les corps. Pas de corps, pas de prime. Vous n'êtes pas obligé de faire ces quatre volontés, Lorman. Vous valez mieux que ça. C'est ministre, Lorman. Et je ne reçois pas d'ordre de Sarèche. Nous sommes associés. Ne faites pas ça. Vous pouvez encore vous racheter. Le commandant de l'Alliance est plus clément que moi. À votre place, je l'écouterai. La décision ne revient pas à Lorman. Le Geno Aradan termine toujours ses contrats. Toujours partant pour relever des défis. Vous allez subir ma colère. Maintenant, exterminez-les. Ben alors, bande de lâches.
Vous allez subir ma colère. Rien le fusil contre eux. Oh bah ça doit être... ouais, c'est sûr que en master ça doit être chaud hein, c'est clair. N'approchez pas. J'ai pris vos amis en otage. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous pouvez leur dire adieu. Et range son double sabre contre un... là-bas. Ici le ministre Lorman. Laissez-moi parler aux prisonniers. Tiens, bonjour, Lorman. C'est ça que vous envoyez à nos trousses ? Je suis un peu vexé. On dirait que vous avez eu votre lot d'aventures. Rien d'insurmontable. Ça fait plaisir de vous voir. Je savais que vous n'étiez pas morte. Je n'en ai pas douté une seconde. Je ne pourrais pas laisser l'alliance entre vos mains à tous les deux. Croyez-moi, nous sommes le cadet de vos soucis. Sarai, je convoite l'alliance, commandant. Elle est sur Odessen à l'heure où nous parlons. Tenez bon, je suis en route. Vous êtes mon invité. Souhaitez-vous exécuter le traître ou je m'en charge? J'ai une meilleure idée. Mettez-lui un collier électrique. Ainsi, les autres verront ce qu'il en coûte de vous désobéir. En voilà une brillante idée. Oh, l'expression faciale. Ils ont du boulot au niveau expression faciale. Alors, attends. Parce que j'avais encore scanné des reliques. Je pense que j'ai dû rater des reliques quelque part. Hein. Non, il n'y en a peut-être pas dans le coin ici. Ouais, mais je pense que j'ai raté des reliques. Bon, c'est pas grave. Le chapitre 3. Membres de l'Alliance, comme beaucoup d'entre vous le savent, votre commandant est mort.
Nous vivons une époque bien sombre, mais ne craignez rien. J'apporte la lumière dans l'obscurité. J'imagine que vous avez tout découvert. Oh. Je vais prendre ça pour un oui. Ça n'a pas d'importance. L'Alliance a besoin d'un chef de ma trempe. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Je ne m'en excuserai pas. On a largement dépassé le stade des excuses. Qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Vous allez me mettre à mort, j'imagine. C'est ce que ferait Véline. Et moi aussi. Voilà ce qui nous sépare. Vous vivrez, mais vous allez croupir dans une prison de l'Alliance pendant très longtemps. Emmenez-la. Vous n'imaginez pas à quel point ça me ravit. L'impératrice Asina attend votre appel, commandant. On se retrouve dans la salle de guerre. Ok, par contre j'ai toujours ça là. Je n'ai jamais cru que vous étiez morte, commandant. Pas même une seconde. Ah ben j'espère bien. On n'a fait pas au roi des escrocs, pas vrai? Au fait, si quelqu'un vous contacte, ravi de vous revoir si en un seul morceau, d'assurance que j'ai contracté sous votre nom. Je sais pas ce que ferait l'Alliance. On ne se connaît pas, d'accord? On ne se connaît pas. Vous voir ici, devant moi, bien vivante et en pleine forme, et dire que j'ai failli croire au mensonge de Saresh. Ah bon ? Bon retour à la maison, commandant. Non, déjà c'est pas de ce côté-là. Je me trompe de truc. Là ? Ah oui, c'est là. Toutes mes excuses pour ce qui s'est passé sur Dromund Kaas. Toutefois, je persiste à penser que nous devrions unir nos forces. Vous avez prouvé votre bonne foi, Asina. J'accepte votre offre. Ça ne veut pas dire que tout est rose. On vous a à l'œil. Connaissant Terron, même votre réseau, l'honnête, n'est pas sécurisé. Rappelez-moi de modifier mes codes d'accès. J'ai hâte de travailler avec vous. Athéna, à bord du Cénotaphe. On s'occupe de vous, Ridala. Vous allez bien ? On a subi de lourds dégâts. Il faut effectuer des réparations de toute urgence. Bien reçu, Ridala. Nous allons tracter votre cargo à bord. Tenez bon. C'est un piège. Merci à vous, Cote. J'ai hâte de vous rencontrer en personne. Bien. J'ai vu ça comme le nez au milieu de la figure. Ah bah j'ai même pas le temps de... Bah voilà, le chapitre 3. Un appel de détresse en provenance du Cénotaphe. Cote ne réclame jamais d'aide, à moins que... Il se sent seul ? Il est en danger. Réponds à l'appel. J'essaie, mais le signal est complètement brouillé à l'autre bout. Une minute. Voilà !
M'aider, m'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? On vous reçoit, Kot. Que s'est-il passé? Féline et Scorpion se sont débrouillés pour monter à bord. Elles ont pris le contrôle de la passerelle et capturé mon équipage. Je vais éparpiller la flotte. Trouvez-vous une cachette en attendant. J'ai plus d'un tour dans mon sac, mais le temps nous est compté. Je l'ai perdu. Mais on a les coordonnées. Le Cénotaphe n'est qu'un contretemps. Anéantissez Véline, et plus rien ne se dressera entre vous et le trône éternel. Piège, tu le renifles à 20 km à leur endroit. Ouais, ça se voyait que c'était un piège. Bon, par contre. Ah, je voulais faire une pause là. Armes et capteurs sont toujours désactivés. La flotte de l'Alliance nous fait signe. La petite marionnette de père, comment allez-vous? Vous êtes encerclé, Véline. Rendez-nous le cénotaphe et libérez l'équipage sain et sauf. Vous êtes à mourir d'ennui. Mourrez avec votre flotte si ça vous chante, mais vous ne reviendrez jamais sur cette passerelle. C'est ce qu'on verra. Ok. Alors, est-ce que je fais pas ça dans un... Ah, attends. Ouais, c'est chiant. Il donne pas des trucs de mon level, c'est chiant. J'aurais pu essayer de donner des trucs de mon level. Ok. Je sais pas combien de temps ça va durer en fait si je avance dans le truc. L'heure qu'il est, la
Ouais, je pense que je vais faire ça un prochain live. Eh bien, merci Nalbir d'être passé. Merci aux viewers de l'ombre. Et je vous donne rendez-vous au un prochain live pour la suite de ce chapitre 3, Réunion Obscure. Va-t-on réussir à reprendre le vaisseau? Elle est la question. That's the way.